Salut les petits loups, c'est Revan et nous voici pour la suite de Les Ursuites Larry 7. Donc la dernière fois, Larry s'était encore fait avoir, mais bon, ça c'est pour pas changer. Et en fait, maintenant on va retourner à la cabine de celle qui nous a plumé, parce qu'il y a des choses à récupérer. Donc déjà ici, je vais récupérer la bouteille de poudre, on regarde ce que c'est. La bouteille de poudre orgasmique de Brigitte est soit à moitié vide, soit... Ah non, elle est vraiment à moitié vide. Oui, vous voulez dire soit à moitié vide ou à moitié pleine. Donc, on va la prendre la bouteille orgasmique. Ça, c'est très intéressant. Et ben là, on peut voir encore la capitaine Bellecuisse. Hein. Le dessin de la statue qu'on avait dans la salle de repas, encore une fois, excellent. On peut regarder le coffre. Le coffre se trouve être simplement un bloc de polystyrène expansé, peint pour ressembler à un coffre. Mais en l'examinant, il se bascule vers l'avant et tu trouves dessous... rien. Cependant, caché entre le coffre et le mur, tu trouves... rien. Mais alors, tu examines le dos du coffre, et là, tu trouves... rien. Bon sang, cet halo n'a aucun respect pour les clichés des jeux d'aventure. Oh là là. Franchement que c'est du bon, encore une fois, quoi. Donc, on va continuer. Donc, cette fois-ci, je vais vous amener... ah oui, il y a des trucs que j'avais oubliés. Genre, ici, il y a un vibro. Yeah, baby. Il y en a un autre que j'ai oublié, Hall of Master 2000. Yeah, oui, regardez, c'est toujours les mêmes, hein, par contre. Hein. Voilà, donc on a déjà trouvé la moitié des vibros, c'est déjà pas mal. Et donc maintenant, direction. Donc ça, on peut pas y aller tout de suite, on ira après, tout comme là. Là, j'ai pas envie d'y aller tout de suite à la piscine non plus. On va aller d'abord à la dunette des anges. Et on va discuter avec ces chères demoiselles aux arguments. Bon, on va se taire. Salut les filles. Je m'appelle Larry. Larry l'affaire. L'affaire? Oh, c'est un petit rigolo. Je parie que vous en êtes un aussi de rigolo. Eh bien, moi, je suppose... Dites, je vous connais. Oh, probablement. Ouais, vous êtes célèbre, hein, non? Oh, nous sommes les Roploplettes. Je m'appelle Félicie, et voici ma fille, Justine. Alors, vous avez déjà entendu nos disques, Larry? Ah, quelle belle vision. Non, je suis pas un pervers. Alors, pourquoi est-ce qu'un couple de chanteuses célèbres comme vous part en croisière? Eh bien, pour être franche, Larry, le succès peut être une malédiction tout autant qu'une bénédiction. Cette tournée nous a épuisés. Sans parler du fait qu'on peut pas se montrer en public tant que l'excitation de nos fans n'est pas retombée. Justine, tais-toi. Donc là, en fait, ce qu'elles vont dire, ça va vous donner des petits indices sur ce qu'il faudra faire plus tard. Voyons voir. Je ne me souviens plus. Laquelle de vous deux est la mère et laquelle est la fille, hein? Oh, Larry. Quel petit flatteur vous êtes. Je suis la maman de Justine, vous le savez. C'est vrai, nous avons presque le même âge. Je l'ai eu à ma première ovulation. En effet, ouais. J'ai 19 ans et maman, elle en a 29 depuis au moins 5 ans. Justine, t'es pas drôle. Je remarque que vous avez toutes les deux des coiffures très développées. Ouais. Vous aimez? Elles sont vraiment grandes. Comment faites-vous pour les faire tenir ainsi? Écoutez, Larry, ça, c'est un secret professionnel. Pour qu'elles soient vraiment hautes, il faut faire le poirier. Justine, arrête! Bah oui, pour éviter que la laque colle aux vêtements, il suffit de se mettre à poil. Ça suffit maintenant, Justine. En fait, c'est trop. Mais merci quand même. Quand vous voulez. Alors, quel genre de musique chantez-vous? Les deux genres, country et western. De la country music à faire péter la baraque. Justine, chérie, on n'utilise plus ce genre de langage. Pardon, maman, à tout casser. Alors, c'était si difficile que ça? Vous connaissez sûrement notre tube, grosse tignasse et membres mêlés. Ça me dit rien. Bah, et ma culotte gisant sur mes chevilles. Et mon cœur à l'agonie. Oh bah vous la connaissez celle-là, non? Ça sonne comme une victoire de la musique.
Oh oui, vous avez raison. À la fin de la chanson, c'est les chutes du Niagara. Ouais, alors quel genre de musique vous écoutez? Les discos. Ah mais vous savez, il y a des gens qui disent que ça revient. Pas moi. Ben vous voyez, moi je dis que ça n'a jamais disparu. Vous êtes vraiment un petit rigolo. Salut, je m'appelle Bill Gates. Non, je le crois pas, vous avez l'air trop excentrique. Et c'est le but. Vous devez sûrement vous produire ici sur le bateau. C'était pas prévu au départ. Mais on est en vacances, vous savez. Ouais, on avait envie de faire un break. C'est dur d'être une star. Mais notre manager insiste pour qu'on soit bien entraîné. Aussi, on a décidé de faire un spectacle spécial. Ouais, c'est pour les fans, vous savez. On les adore. Donc, je vais parler de chaleur. Après, je vais d'abord parler de disques. Vous avez des enregistrements que je pourrais écouter. Vous savez, ça me ferait vraiment plaisir de vous offrir un exemplaire dédicacé de notre dernier CD, les Romploplettes chez vous. Mais on a rejoint cette croisière dans une telle précipitation qu'on a tout juste eu le temps de prendre quelques petits dessous en sortant du bus. Oh, ça ne fait rien. Je préfère largement la fidélité supérieure des cassettes de piste. Oh, vous êtes vraiment rigolo, vous. Qu'est-ce que vous voulez dire par « jusqu'à ce que l'agitation retombe » ? Oh, on a eu un petit incident fâcheux il y a environ un mois. On faisait une représentation au bénéfice de la maison d'arrêt haute sécurité pour femmes. On essayait de chasser les mauvaises pensées que peuvent avoir nos consoeurs. C'est toujours pour les fans, vous savez. Ouais, notre manager, il dit que ce serait un moyen pas cher de filmer notre programme spécial sur la télé câblée. Chaleur en cage. Les Romploplettes derrière les barreaux. Justine, qui raconte l'histoire d'abord? Ce jour-là, nous avons eu des problèmes à enfiler nos costumes en élastice. Vous voyez, cette fois-là, maman, elle avait une nouvelle fois un peu forcé sur les beignets du bus. Justine, tais-toi. Vous savez que, peu importe les conditions, le spectacle doit continuer. Alors j'ai demandé à un membre de l'équipe de nous arroser de la tête aux pieds avec ce lubrifiant en siliconé. Et hop, nous nous y sommes glissés. Voilà une image intéressante. En fait, on ne savait pas que les projecteurs de la scène entraîneraient une réaction chimique entre l'élastix et ce lubrifiant siliconé. Oh, vous auriez dû voir ça. L'agitation a été instantanée. Ah ouais? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu flou dans ma mémoire maintenant. Disons que juste après ça, partout où on se rendait, les paparazzi nous harcelaient. On était assiégés. Et lorsqu'ils ont passé cette cassette vidéo, l'affaire de Nashville, on a dû alors se faire toute petite pour un certain temps. Et nous voici à prendre des bains de soleil et du bon temps. Alors pourquoi portez-vous des tenues en élastix si ça vous a causé tant d'ennuis? Pour les fans, pardi. Bah ouais, c'est toujours pour les fans. Et puis, parce qu'avec leur pouvoir gainant, et ben moi, ils peuvent faire trois trucs de moi. Justine, ça va bien comme ça. Oh, excellent. Bon, ben voilà. Donc maintenant, on a tout ce qu'il faut. J'ai beaucoup apprécié notre conversation. Ne ratez pas notre spectacle au bar ce soir. À plus. Donc voilà, maintenant, j'ai ce qu'il me faut. Donc oui, je vous l'ai pas dit, mais on peut voyager entre les écrans normalement. S'il vous plaît. Ben vient de battre tous les arrivants dans la simulation de masturbation. Wow, c'est quoi le truc de fou? Ah, mince. Ah, voilà. Yeah, baby. J'ai failli le louper celui-là, encore une fois. Donc comme vous voyez, on peut vraiment aller accéder partout où on veut, quand on veut. Donc là, je l'avais pas vu, mais bon, vous avez un poulet qui joue quand même, hein. Quand Patagouche fait une pause, son petit oiseau divertit la foule. Donc là, normalement, vous avez quelque chose. Et ces ponts sont réservés à Laser Suit Larry 8, Lost in Space. Ne tente pas d'entrer dans ce jeu. Voilà, donc vous voyez, déjà à l'époque, ils avaient prévu le 8, mais hélas, il est jamais sorti. Donc sinon, il y a encore d'autres trucs assez drôles à faire. C'est les blagues téléphone, mais je vais pas vous les faire tout de suite. Enfin, quoique, vu que je m'en souviens bien, où je suis. Ah oui, je suis en haut. Donc on va faire plan, et on va aller en bas.
Bon. On va revenir une autre fois. Bah, normalement, là, c'est bon. Je serai en bas. Voilà. Donc là, on peut appeler le téléphone. Avec le téléphone, c'est assez drôle. Donc, tu te débrouilles, mon petit Larry, là. On n'a pas que ça à faire. Donc là, on peut faire une farce au téléphone. Bureau du commissaire. Allô? Pourriez-vous laisser un message pour moi? Bien sûr. Votre nom? Monsieur Seller. Nous n'avons personne de ce nom à bord. Prénom Jacques. Jacques Seller. Oh bah zut, il est encore accroché. Voilà, c'était censé être drôle. Oui. Donc là maintenant, on va se diriger dans le salon pour faire... Eh ben pour tout mettre à fond là, pour savoir ce qu'on va faire. Donc là, normalement, c'est chez les Hoplites, mais on peut pas y accéder tout de suite. Voilà. Oh ah. Désolé, je cherchais les toilettes. Ah, et ben c'est pas là. Désolé. Hé, hey, voilà. Attends un peu, qu'est-ce que tu fais là? T'as pas le droit d'entrer là-dedans, c'est privé. Les roploplettes pourraient être nus à l'intérieur, hein? Leurs seins se balançant de droite et gauche, et le truc du mamelon, il pourrait pendre sans dessus-dessous. Alors? Oh, désolé, je... Et ben... Voilà. Donc là, en fait, on va parler avec lui, avec Ericard. Salut, barman. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Je m'appelle Ericard. Et il suffit de demander ce que tu veux pour l'avoir. Qu'est-ce que je te sers? Eric R. Oui, ça fait Ricard. Bon, d'accord. Donc là, en fait, on peut parler de pas mal de choses. Donc là, ça, c'est vous commander. Ah, tu dois en voir défiler des types ici qui viennent te raconter leur misère, non? Et Ricard, tu trouves ça dur? Ouais, ça me rend malade. Généralement, je leur fous mon poing sur la gueule. Pourquoi? Oh, comme ça. Je parie que tu vois un tas de jolies femmes en bossant ici, hein, Erika? Ouais. Et alors? Ah ben comme ça, je fais la conversation. Ne fais que des boissons, ok? Pourquoi t'arrêtes pas de jacasser au lieu d'en commander une? Donc là, on va prendre le citron vert. Excuse-moi, Erika, je voudrais un verre de jus de citron vert. Non. Pourquoi non? Nous ne servons pas de jus de citron vert sec. Ah, et pourquoi? Parce que ça ne figure pas sur la carte. Et ça n'y figure pas? Non. Et si ça ne figure pas sur la carte, je ne le sers pas. Bon. Alors, est-ce que tu peux me faire un daiquiri? Ça, c'est sur ta carte. Ouais, un daiquiri, ça roule. Mais oublie le rhum, ok? Ok, sans alcool. Et le sucre, ok? Ok. Et le sel, ok? Ok. Et oublie cette foutue glace, ok? Bah oui, mais alors pourquoi... Égrouille-toi! Voilà. Régale-toi. Donc voilà, on a récupéré le jus de citron vert, donc ça servira plus tard encore une fois. Donc là, en fait, vous vous souvenez, dans ma première vidéo, j'ai rencontré une charmante demoiselle à la piscine. Et en fait, elle avait commandé une érection colossale, et en fait, ça prend énormément de temps à préparer. Et en fait, le seul moyen d'accéder à la cabine des Hoplites, et ben, c'est de demander une érection colossale. Ericard, je veux une érection colossale. Adresse-toi au capitaine, pas à moi. Eh non, je parlais de la boisson, c'est un cocktail. Ah, eh ben ça va prendre un certain temps. Tu le veux toujours? Oh, mais j'attendrai, pas de problème. Donc là, super image quand même, hein, en fond. Donc maintenant, on va vite t'en profiter pour se barrer. Attention, s'il vous plaît. Pierre vient de remporter la partie de lancer de cailloux du championnat. Donc là, on regarde. Les roploplettes ont laissé une bombe de déodorant sur leur coiffeuse. Donc, normalement, il faut déjà aller appuyer sur le bouton là. Quelle surprise! Tu as poussé un bouton sans intitulé. Croise les doigts pour que rien de grave ne t'arrive. Je m'en suis encore sorti, moi. Ah, j'ai oublié. Yeah, baby. Sinon, les roploplettes sont bien sudistes, hein, quand on regarde ça, hein, quand même. Hein. Piétine-moi. Ok. Donc, ici, on va regarder notre inventaire. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ah, le lubrifiant. Ta marque préférée de lubrifiant au silicone est... Cochon gras. Oui, oui, c'est la plus grasse. Donc, ici, en fait, ce que vous faites, vous échangez contre le lubrifiant Megaglisse.
Ne le gaspille pas, c'est très efficace. Mmh. Ah non, c'est pas celui-là. Oh, c'est le lubrifiant siliconé. Quelle idée sournoise. Les roploplettes n'y verront que du feu. Les deux bombes sont presque identiques. Voilà, donc déjà ça, ça fait une partie. Hé hey, Minable, tu l'as vu la boisson que t'as commandée? Je la mets sur la note de ta cabine. Merci. Oh, bah ma banane, elle est toute flasque, avec des petites taches brunes. Désolé mec, je m'occupe seulement des boissons. Donc là on va monter, si on peut, voilà. Donc là on va prendre... Oh, laissez-moi juste l'enlever. Bon. Et à la place, on va utiliser la lampe rouge. Ah, ça, c'est une idée de génie. L'ampoule va, la tension est correcte, mais ça ne va pas trop chauffer la scène. Oh, juste un petit peu. Donc là, il faut redemander une érection colossale. Oui, c'est chiant. Alors, Erika, comment ça va? C'est moi, Larry. Salut, mec. C'est quoi ton nom, déjà? Ou tu peux m'appeler Lar, ou tu peux m'appeler Larry, ou tu peux m'appeler Larry l'affaire, ou tu peux m'appeler l'affaire. Allez. Erika, je... Ah. Oh, mais... Voilà. Donc, on a redemandé l'érection colossale. On repousse le bouton. Et on se rebarre. Hé hey, Minable, tu l'as vu la boisson que t'as commandée? Je la mets sur la note de ta cabine. Merci. Oh. Désolé, mais... Voilà. Et maintenant, on va sortir de la salle et rentrer. Oui. Que c'est beau. Donc là, ma pile, on s'en fout pour l'instant, mais... Merci beaucoup. Et maintenant, il nous faut un volontaire pour la partie unplug de notre représentation. Qui veut venir jouer avec nos ustensiles? Moi. Aimant, regarde qui voilà. Un volontaire. Salut, bel étalon. Excusez-nous, on les sort. Hé, oh. Hey, Ricard, tu nous donnes un éclairage spécial? Justine, ma chérie, t'as pas un peu chaud? Oh, mange, sans encore monter cette drôle de sensation. Attrapons-le! Encore un peu. Oh, cette fois-ci, je vais y arriver, c'est sûr. Il arrivera toujours quelque chose à lui. Et donc là, bah, je vous remontrerai encore une fois la photo dans cette zone-là. Ah non, mais excellent. Mais en fait, tout ça, vous dites, bah, pourquoi on l'a fait, quoi? Margaret a remporté le concours d'élégance. Félicitations, Margaret. Tiens. Ça me dit quelque chose, ce prénom. Mais bon, c'est pas la question ici. Donc, je vous dis pourquoi on a fait ça. Et ben, tout simplement parce que bah, y a plus de choses à récupérer maintenant. Donc ici, on va récupérer. On va prendre la guirlande électrique. Qu'est-ce que tu vas en faire? Et on va récupérer. Ah, c'est le gros bordel. Hein. Et on va prendre la télécommande. Ça peut te servir. Et là, on peut s'amuser à allumer le micro. Ouais. D'accord. Donc voilà, on a récupéré tout ce qu'il fallait ici.
Et je crois que normalement, si on va voir les rouploplettes... Alors je sais pas si c'est maintenant ou plus tard, mais il y a un truc très drôle qui se passe. Donc on va... Je vais juste voir parler à Ericard. C'est mon vieux pote le shaker. Ouais, c'est ça. Tu veux boire quelque chose ou pas? Donc on va lui redemander une érection colossale. Ericard. Donc on passe le dialogue, hein. De toute façon c'est la même chose, donc c'est pour ça que je vous dis. Et en fait, si on passe là... Ah non, c'est pas maintenant. Ah, c'est dommage, ça sera plus tard. Bon, c'est pas grave. Hé, minable, je la mets sur la... Merci. Désolé. Bon, ça on s'en fout. Et en fait, ben, vous saurez pourquoi j'ai fait tout ça, ben la prochaine fois, parce qu'on arrive au terme de cette vidéo. Bon, elle aura été un peu courte, je sais, mais... Comme je vous dis, le jeu il est pas très stable, donc j'ai pas envie de vous faire des sessions trop longues. Et pour qu'à la fin ça merde quoi. Et donc je vous dis à la prochaine fois pour la suite de Laser Suite Larry, Dragon Haute Mer. Et d'ici là, que la force soit avec vous.